Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, je suis très content de vous revoir aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine qui a commencé et j'ai envie de vous dire certaines choses. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Soyez prudents dans la vie. Sachez désormais où mettez les pieds. Nous sommes en 2021. Le diable d'hier, là, il n'est pas mort. Il est toujours vivant et prêt à faire encore de mauvaises choses en passant par les gens qui sont proches de nous, plus proches de nous. Même, il peut utiliser tout et n'importe qui pour faire des trucs que vous ne pouvez pas vous imaginer. Faites grave attention. Avant de parler avec quelqu'un et de lui dire quelque chose, priez pour que Dieu vous montre son état d'âme d'abord, son état d'esprit. Ah, ça là, c'est la base, hein. C'est la base. Une fois que vous avez découvert que cette personne n'est pas dans la sorcellerie, c'est bien. Là, c'est bien. Mais, ça sera vraiment rare. Parce que, vraiment, moi-même, quand je marche, vraiment, je rencontre trop de sorciers. Trop de sorciers. Et le problème du monde, c'est parce qu'il y a trop de sorciers ici. Il y a trop de sorciers dans ce monde. Il y en a trop. Il y en a trop. Même un chef d'entreprise peut être un sorcier. Un président peut être un sorcier aussi. Les gens pensaient avant que les sorciers, c'était les vieilles personnes, les grands-mères qui sont au village. Non, ce n'est plus possible. Dis à ton ami qu'à côté, ce n'est plus possible. Dis à ton soeur qu'à côté, ce n'est plus possible. Non, vous vous trompez. Aujourd'hui, les choses sont claires. Mais là où je veux maintenant en venir, là, c'est au niveau des comportements des gens. Souvent, beaucoup de personnes se trompent. Les gens se disent que quand une personne est gentille, c'est que cette personne a un bon esprit. Ah, mes frères et sœurs, je vais vous dire, hein, moi je ne suis pas en train de rigoler avec vous ici. Je vous dis, il faut chercher à connaître l'état d'âme de la personne, son état d'esprit. Ça, c'est le fil conducteur. Tout ce que cette personne va faire à gauche et à droite, là, ce sont les détails. Mais son esprit, son état d'âme. Si cette personne a le Saint-Esprit, qui peut dire, oh, glory to God, gloire à Dieu. Mais si cette personne a l'esprit du diable, de Satan, faut te préparer au combat en même temps, parce que cette personne est là pour te détruire. Même si cette personne t'offre tes cadeaux, même si cette personne t'offre tes présents, elle attendra un jour où tu as baissé ta garde pour t'attaquer et tenter d'en finir avec toi. Peut-être que cette personne a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, parce que Dieu t'aime beaucoup et il ne veut pas que tu meurs ou tu tombes dans les choses inutiles, en fait, parce que Dieu est avec toi. Mais je te dis aujourd'hui qu'il faut rester concentré. Il faut rester très vigilant. Je dis bien, vigilant. Parce que notre ennemi, Satan, il ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Comme Dieu, lui, ici, ne sommeille ni ne dort. C'est un esprit. Comment l'esprit va-t-il dormir? Comment va-t-il dormir? Mais faites grave attention, surtout là où je suis en train de vous parler. Ce n'est pas parce qu'une personne est gentille avec vous que cette personne n'a pas la sorcellerie. En fait, l'esprit de la sorcellerie, cet esprit de destruction qui se balade par ci et par là pour détruire et détruire seulement. Ah! Toi, tu cherches à évoluer. Tu te dis que tu es en 2021, tu dois faire quelque chose d'extraordinaire. Eux, ils sont là de leur côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à te mettre des bâtons dans les roues ou voire même tout mettre en œuvre, te mettre en difficulté. Ça, c'est leur travail. Et pour y arriver, ils peuvent faire tous les sacrifices possibles, toutes sortes de sacrifices. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils peuvent se faire passer pour des personnes qui vous aiment ou qui vous apprécient. Regardez, souvent vous êtes là comme ça, puis une personne a quitté là-bas pour dire, ah, bonjour, écoute, vraiment, toi, j'aime ton affaire, tu es différent des autres, vraiment, tu es calme dans ton coin, j'aimerais être ami avec toi. En général, je vous dis, je dis bien en général, hein, en général, les gens qui font ça, là,
sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Les techniques, c'est ça. Les techniques, c'est s'approcher. S'approcher des bons fruits. Et voir comment faire pour mettre des bêtes, des asticots dans les fruits là. Et détruire le fruit si possible. Anéantir le fruit. Ah, faites grave attention à vos entourages. Vous qui avez beaucoup d'amis. Hey, c'est toi qui es le Père Noël. C'est toi qui as beaucoup d'amis. C'est toi qui partage. C'est bien, tu as un esprit de partage. Mais le diable n'a pas un esprit de partage. Le démon n'a pas un esprit de partage, je te dis. Lui, son esprit, c'est ce qui est dans lui là. C'est comment il va faire pour passer par ton esprit de partage pour te compliquer la vie, pour te faire du mal. C'est ça l'esprit du diable autour de nous. Le monde est devenu méchant. Et ce genre de personnes en général, on les appelle les sorcières. Yo, ce sont les sorciers. Ah, ce sont les sorciers. C'est un esprit de sorcellerie. Et c'est exactement ce dont je souhaite de vous parler aujourd'hui. Pour vous dire que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses aujourd'hui. C'est pas hier. C'est pas avant-hier. Nous sommes en 2021. Le diable encore, il cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Il faut être prudent. Il faut être concentré. Il faut pas être distrait. Si tu t'aides, tu te lèves d'habitude à 7h du matin pour aller au travail. Maintenant, il faut te lever à 6h. Si tu as l'habitude de te lever à 5h du matin, maintenant, il faut te lever à 4h. Parce que le diable veut se lever avant toi et commencer à faire les conneries pour te piéger. Moi, je donne les secrets. Je vous dis ce que je vis, ce que j'ai vécu pour que vous, ça ne vous arrive pas. Premier élément important, priez. Avant de vous endormir, priez. Au réveil, demandez à Dieu, que signifie le songe que vous venez d'avoir dans votre sommeil? Il vous a parlé de songe, non? Ce que vous voyez quand vous êtes endormi, c'est vrai. Notez tout ça, tenez un cahier. Considérez cela. Et priez que Dieu vous donne l'explication. Et vous êtes à détourner tous les pièges que le diable a placés sur votre chemin la journée. Là. C'est pas de la blague. C'est pas de la frime. Et lisez la Bible pour que vous deveniez grand en esprit. Voici des choses qui ont lieu encore en 2021. Le diable que vous avez laissé en 2020 vous suit encore en 2021. Et voici ses œuvres. Se faire passer pour un bon ami, un bon conseiller et vous détruire. C'est comme une femme, elle là, elle a un problème de foyer, elle va expliquer ça à sa camarade. Alors que sa camarade là, c'est elle-même qui cherche son mari en secret. C'est elle-même qui cherche son mari. Tu te confies au diable sans savoir que c'est le diable. Faites attention! Faites grave attention. Ayez de l'avance sur le temps cette année. Je vous ai tout dit. Et ça, c'est la première vidéo. Je vais encore revenir ici. Et vous dire des choses qui vont vous étonner. Soyez prêts. Je suis chaud.